Hoopla. C'est un hoopla au ralenti, mais moi je préfère le vrai. Hey! Hoopla! Salut les filles! Alors, nous voici dans un nouveau make-up focus où comment identifier sa carnation de peau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte encore la carnation de peau? Alors oui, je sais pas si vous avez remarqué, dans les marques de fond de teint, il y a maintenant de plus en plus de couleurs qui sortent. Parce que voilà, on a bien compris, toutes les couleurs de peau sont certes pas les mêmes et en plus n'ont pas de tonalité. Alors, pour les histoires de tonalité, je vous l'explique dans le make-up focus, choisir son blush, où c'est la même chose. Voilà, il y a des couleurs, on a la peau noire, la peau métisse, la peau claire, la peau très foncée, la peau. Voilà, mais c'est pas tout. Chaque peau a un sous-ton. Et dans le maquillage, ça va être un sous-ton jaune ou un sous-ton rouge. C'est pour ça que vous allez trouver en l'occurrence. Prenons un exemple chez MAC, vous allez avoir des fonds de teint NC ou NW. Et là, le plus dur, c'est que, ok, comment vous choisissez votre fond de teint, la maquilleuse qui va être présente dans la boutique va certainement vous aider à trouver votre bonne couleur. Mais il n'est jamais inutile de savoir par vous-même quelle est votre carnation de peau, comme pour que vous puissiez savoir ce que vous faites. Donc, c'est très simple. En gros, il faut déjà que tu arrives à déterminer si tu es plus jaune ou plus rose. Comment j'ai fait ça? Eh ben, tu vas regarder tes veines. Tu vas regarder tes veines. Donc, au moins, très mauvais exemple, on ne les voit pas. Mais tu vas regarder tes veines. Si tu vois que tes veines apparaissent plus vertes, sachant que le sang dans le corps, quand il n'a pas encore été en présence d'oxygène, oui, je fais ma math, let's go. Le sang qui coule dans nos veines est bleu. En contact de l'oxygène, il devient rouge. Donc, si tu as les veines vertes, donc, bon allez, j'arrête. Donc, en fait, si tu as les veines qui sont vertes, bleu plus quelle couleur te donne vert? C'est le jaune. Donc, tu es plus, tu as une peau plus à dominante jaune. Et si tu as les veines violettes, eh ben, c'est que tu as fait bleu plus rouge. Donc, tu as rouge ou rosé. Donc, tu as plus une dominante rosée. Maintenant, tu sais si tu as la peau, le sous-ton jaune ou le sous-ton rouge. C'est bien. Il faut quand même savoir que on change de la peau change en cours de ben, en cours d'année. Ça veut dire que moi par exemple en hiver j'ai plutôt un sous-ton jaune, c'est-à-dire que je vais plutôt prendre du fond de teint NC par exemple, en parlant toujours de la référence chez MAC. Mais en été, comme la mélanine remonte, je vais être un peu plus rouge du coup. C'est la même chose qui se passe lorsqu'on bronze, lorsque tout le monde bronze. Et du coup, en été, je suis plus sur un fond de teint NW. Oui, c'est pour ça qu'il faut que tu identifies à chaque période de l'année quelle est ta couleur. C'est pour ça que souvent, on nécessite d'avoir plusieurs fonds de teint dans l'année. Donc, maintenant tu sais que tu arrives à identifier si tu as la peau jaune ou la peau rouge. Tu sais maintenant que ta peau est amenée à changer. Mais la vraie question, si tu as la peau jaune ou la peau rouge, est-ce que tu dois mettre l'inverse sur ta peau? C'est une question que vous me posez souvent. Eh ben non, en travaillant chez MAC, non, quand on conseille une cliente, si tu as la peau jaune, je vais te chercher un fond de teint dans les jaunes. Beaucoup pensent qu'il faut contrecarrer l'inverse. Non, essayez par exemple de recouvrir une tache jaune sur un mur avec de la peinture rose, ça va plus faire une couleur grisâtre que faire quelque chose de joli. Non, tu vas prendre une couleur qui va avoir la même tonalité que ta peau. Après, donc du coup, si tu as le ton jaune, tu vas prendre quelque chose qui est plutôt jaune. Est-ce que ça va me rendre plus jaune? Ça va pas forcément te rendre plus jaune, ça va surtout mieux se fondre avec ta peau. Après, bien sûr, rien n'empêche si tu aimes que tu prennes ce que tu veux. Mais le but, c'est vraiment que ça se fonde le plus possible avec ta peau. Voilà, donc pour voir si tu as bien tout suivi, je te laisse me dire en commentaire si tu penses avoir plus la peau jaune ou plus la peau rosée. Voilà, alors je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour le prochain Make Up Focus. Salut, ciao, ciao les Julicious! Have fun, be a Julicious girl!